La progression en karaté-do passe obligatoirement par la technique. C'est pourquoi il est nécessaire de perfectionner son geste et son mental, notamment par l'acquisition des katas et de leur compréhension. Cette vidéo a pour but de favoriser la pratique des katas au travers d'exercices pédagogiques. Il existe en effet, selon notre niveau, nombre de techniques en karaté. Nos anciens avaient trouvé un moyen fiable, mais aussi évolutif, pour parfaire et maîtriser le geste. Les katas sont donc en karaté ce que l'air est à la vie, c'est-à-dire indissociable et essentiel. Bien maîtrisé et parfaitement coordonné, le geste en karaté est source d'une puissance et d'une efficacité redoutables. Cependant, avant d'acquérir cette connaissance de soi, il est nécessaire de répéter inlassablement le mouvement afin d'en trouver et de ressentir ses moindres détails. Dans ce chapitre, la préparation physique, nous n'étudierons pas le détail des positions de jambes ni les techniques utilisées, mais plutôt l'enchaînement et la coordination de celles-ci. Partons du principe que dans ce volume numéro 2, vous avez déjà acquis ces bases techniques. Veillez donc à votre stabilité, à votre respiration, votre précision gestuelle, à votre attitude en général. Cette préparation spécifique va vous permettre de vous remettre en phase avec les katas. Nous allons donc réviser, dans un premier temps, blocage, attaque, sur des déplacements. Voici une préparation au kata Heianidan, où nous retrouverons l'ensemble des techniques utilisées. Nukite, Shuto, Maegiri. Décomposez cet exercice en trois phases. Première phase, blocage. Deuxième phase, blocage, contre-attaque. Et troisième phase, blocage, attaque tetsui. Le tout, bien sûr, sur une stabilité en kokutsu. Nous rajouterons yoko kiage, que nous retrouvons dans le kata. Le point commun à tous ces exercices sera bien sûr la recherche de la tonicité et des appuis. Deuxième série d'exercices préparatoires au kata, le travail en opposition de bras et de jambes. Recherche de la stabilité sur appui du pied arrière, genou au sol. Le travail en tonicité après l'appui au sol est important. Bien verrouiller le bassin pour obtenir une position parfaite. Sur cet enchaînement, nous veillerons à bien coordonner le blocage et la rotation des hanches pour obtenir une stabilité parfaite à l'arrivée. Série d'exercices sur le kata Eyan Sandan, toujours en décomposition en plusieurs phases. Premier temps, blocage, droite-gauche, enchaîné ensuite avec les deux autres temps du kata. Recherche des appuis et de la tonicité à partir de la position Kibadashi. Le blocage avec le pied et le blocage avec le coude s'effectuant en même temps.
Préparation dynamique pour le kata Yansandan. Dans un premier temps, main ouverte. Deuxième temps, les poings sont fermés. Et troisième temps, les poings reviennent sur le côté en équité. Terminons par le déplacement du kata. Déplacement en kibadashi en verrouillant correctement les hanches. La rotation du bassin doit être effectuée avec dynamisme. La difficulté dans le kata Eyan Yodan réside dans les appuis, notamment au moment du yokogiri et du huraken. Voici un exercice préparatoire à ce passage. Avant d'enchaîner Ma-EMP, il est important de bien verrouiller la hanche en ramenant le pied. Premier temps, l'appui Neko-Hashi. Deuxième temps, l'appui sur une jambe. Troisième temps, l'appui Huraken. Quatrième temps, Huraken Yoko-EMP. Cet exercice à deux a pour but de bien travailler la position des hanches. Votre partenaire vous maintient le bras sans réellement le tenir. Il est important de veiller à ce que le corps reste bien sur son axe. Le maintien de la main par votre partenaire vous permettra de ne pas vous pencher en avant. Effectuez cette même recherche, cette fois-ci seul. Préparation sur la fin du kata Eyan Yodan. Montez le genou, Izagiri. Deuxième temps, montez le genou et ramenez les mains au ikité. Troisième temps, conjuguez l'ensemble des mouvements et redescendre en kokutsu shuteuke. Il faudra veiller, notamment sur le pivot, à bien verrouiller les hanches sur la position kokutsu. Préparation au kata Eyan Godan. La recherche de dynamisme s'effectuera aussi bien en déplacement vers l'avant qu'en déplacement vers l'arrière. Sur les blocages et sur les attaques. Veillez à rendre vivant votre enchaînement par des phases lentes de récupération et des phases dynamiques. Spécificité du travail sur le saut. Premier temps, flexion, regrouper les jambes. Troisième temps, flexion sur une jambe. Quatrième temps, flexion, saut et retour sur le pied d'appui. C'est un travail statodynamique. On part d'une position immobile pour effectuer un mouvement extrêmement tonique et revenir sur son pied d'appui. Cet enchaînement est important pour le travail de Godan, mais aussi de Gangaku que vous verrez à la fin de ce programme. Ni. Ah!
Les kions que nous avons choisis ont été étudiés à partir des techniques utilisées dans les katas. Correspondant au premier kata et Yan Shodan, ce kion reprend l'ensemble des techniques de poing. Après avoir mémorisé l'enchaînement, le travail avec partenaire est essentiel. Les attaques et les contre-attaques de votre partenaire sont franches et sincères. La recherche d'efficacité doit être absolue. Le travail des chuteaux. Nous verrons ici les quatre formes fondamentales du chuteau. L'attaque, le blocage, le dégagement et la projection. Première forme, le dégagement. Le blocage, la saisie, et la projection. Beaucoup de techniques en karaté possèdent ces quatre formes. Le travail à deux, en bunkai, permet de ne pas les oublier. Le kata Heian Shodan, en Shotokan, correspond au passage à la ceinture jaune. Un kata commence avec le salut et se termine avec le salut. Chaque geste doit être effectué avec attention et détermination. Pour trouver le rythme, en kata, il est nécessaire de séquencer les passages. Répétez ceci plusieurs fois. Le kata s'effectuera aussi lentement afin de bien prendre connaissance de ses moindres détails. Par exemple, la position du pied avant la rotation de la hanche est importante afin de bien coordonner le blocage et le pivot. Voici la première application du kata. Observez bien, le Gedan Barai n'est pas forcément un blocage. Retrouvons plusieurs formes sur Jodan Ageuke. Même si le kata est effectué lentement, veillez à ce que celui-ci reste tonique, surtout dans ses pivots. L'enchaînement en kokutsudashi des chuteaux se fait sur quatre directions bien précises correspondant au bunkai suivant. Le blocage, la saisie avec dégagement, nouvelle saisie et cette fois-ci l'attaque. Restez concentré jusqu'au salut. Une fois le kata effectué lentement, pratiquez-le cette fois-ci
à vitesse réelle et dynamique. Kion préparatoire au kata Heian-Nidan. Le travail s'effectuera en recul sur la position kokutsu et en bloquant. Voyons une application différente sur Shutohuke. La main qui revient en ikité est une frappe. Et éventuellement avec projection. Cette partie du kata est extrêmement symétrique. Il sera donc important de veiller à ce que chaque mouvement soit fait avec la même énergie. Dans l'application 1-2, effectuons maintenant ce kion avec saisie. Morote Uchiuke sera dans ce kion une projection. Le zenkutsu doit être parfaitement stable afin de déséquilibrer votre partenaire. Votre partenaire se déséquilibrera sur votre jambe avant. Ce kata est à présenter pour obtenir la ceinture orange. Plus vous progresserez, plus les facteurs d'équilibre et d'explosion seront déterminants. Notez les appuis et les temps d'arrêt sur chaque passage. Dans l'étude lente du kata, voyons à présent les applications à deux. Notez la position préparatoire des pieds avant le pivot des hanches. Dans le bunkai qui suit,
veillez à ce que Uchiuke ne soit pas forcément un blocage, mais aussi un dégagement. Vos gestes doivent être comme des sabres, incisifs. Refaites le kata une dernière fois, tonique. Le Kion numéro 5 reprend l'essentiel des techniques du Kata Heian Sandan. Le pivot s'effectuera sur un dégagement suivi d'une attaque. Dans l'application 1-2, selon votre distance après le pivot, vous effectuerez une attaque soit avec le coude, soit avec le poing. Le travail en kokutsu, en appui sur la jambe arrière au départ, permet de repartir presque instantanément sur une attaque. Le kibadashi en position finale permet aussi la projection. Souvent mal compris dans le kata, ce passage doit être travaillé en kion. La synchronisation parfaite de l'appui au sol avec le blocage du coude est essentielle. Le dégagement de la main qui suit doit être suivi d'une attaque rapide. Dans l'application 1-2, Izagiri se fait sur une attaque Maegiri, suivie d'un dégagement sur une saisie. Nous voici déjà dans des grades beaucoup plus élevés, niveau ceinture verte.
remarquez qu'après chaque kiaï, la tension est extrême. Revenons sur le passage étudié précédemment. Observez la position du buste. Dans l'étude décomposée du kata, observons maintenant le travail à deux, les applications bunkai. Ce passage doit être exécuté avec précision afin de ne pas se décentrer de l'axe. Dans l'application, notez la main qui vient faire le blocage avant l'attaque nukité. Dans le pivot, pied et main reviennent en même temps. Dans l'application à deux, après l'attaque Huraken, le retour en équité peut être un dégagement. Dans l'application à deux, il s'agit, en l'occurrence, d'un dégagement sur une tentative de saisie. À nouveau, répétez le kata cette fois-ci d'une façon beaucoup plus tonique. Issu du kata Yodan, cet enchaînement a la particularité de travailler l'efficacité sur Yokogiri. Après Yokogiri, n'oubliez pas d'être tonique sur Empi. Ne commettez pas l'erreur de travailler l'attaque du coude du côté de la jambe avant. Dans l'application de ce kion, Empi se travaille au plexus. Beaucoup d'attention doit être portée à ce passage. Les positions sont délicates et les attaques fulgurantes. La synchronisation des deux premiers mouvements est essentielle. L'attaque doit être rapide et stable.
ceinture bleue. Les difficultés de ce kata sont sérieuses. Dans ce kata apparaissent des techniques déjà nettement plus évoluées. Il est donc nécessaire de le répéter très très souvent. Blocage, attaque, maegiri, huraken. L'étude plus lente de ce kata vous permettra de travailler les applications à deux. Sur ce passage, plusieurs possibilités sont offertes. Nous en avons choisi une. Il est important de bien remarquer le retour de la jambe après le yokogiri. Après le huraken, votre partenaire tente de vous saisir. Celui-ci doit effectuer sa rotation en même temps que la vôtre. Le travail en moroté correspond, comme nous l'avons déjà vu, à des blocages ou à des projections. Lorsque les mains redescendent, notez le pivot de la hanche. Dans ce kion, voici de nouvelles techniques de blocage et de saisie issues du kata Godan.
La particularité de cet enchaînement est de travailler main ouverte sur le blocage. Dans l'application 1-2, notez que les mains sont en opposition dos à dos afin de permettre la saisie du poignet de votre partenaire. Ce dernier quillon est délicat. Il nécessite en effet un appui très stable afin de passer d'une position zenkutsu et kokutsu sur place. Dans l'application 1-2, l'attaque Gedan Shuto est en fait une saisie. Dernier kata de la série des Heian, Godan est le kata qui vous préparera à la ceinture marron. À ce niveau technique, la connaissance des positions de base doit être parfaite. La précision des mouvements et le rythme doivent être exécutés avec rigueur. Sur ce passage, le verrouillage du bassin est extrêmement important afin de conserver l'axe rachidien bien droit. Sur ce passage, différentes possibilités. Le blocage suivi d'un dégagement, ou alors le blocage suivi d'une attaque. Dans l'application, notez le travail des mains ouvertes afin de permettre la saisie et la projection. Il existe plusieurs bunkai, c'est un travail individuel et de recherche. Nous n'avons pas la prétention de tous vous les montrer, mais certains nous ont paru particulièrement intéressants. Pour le saut du kata, par exemple, il existe une version avec un bâton.
nous en avons choisi une autre. Dans la dernière partie du kata, notez la position des mains au moment du pivot. La diagonale entre les points sur Manjiuke doit être respectée. Nous vous conseillerons que trop d'étudier tous ces bunkai régulièrement et lentement afin de bien vous familiariser. Observons le kata une dernière fois, exécuté cette fois-ci avec toute la tonicité requise. En espérant que cette vidéo vous aidera à progresser dans votre recherche personnelle, voici un dernier kata exécuté par Yves, où tous les paramètres précédemment étudiés sont présents. Voilà, il ne vous reste plus qu'à reprendre votre travail en soignant tous les détails. Nous vous donnons rendez-vous pour un programme technique supérieur. Nous remercions nos talentueux karatékas pour leur participation.